Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spéciale shopping décoration d'automne. J'ai acheté quelques bricoles en magasin et sur internet que j'avais envie de vous montrer. Alors cette année, comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, j'ai décidé de me limiter dans mes achats, de ne pas surconsommer tout simplement parce que j'ai déjà un stock conséquent, à mes yeux en tout cas, de décoration d'automne. Donc je peux puiser dedans pour décorer la maison, j'ai pas besoin d'acheter une tonne de choses. Et deuxièmement, j'ai aussi envie d'aller vers un style plus élégant, plus sobre, plus naturel, avec voilà, des courges, des citrouilles, des fleurs séchées, de vrais éléments à intégrer à ma décoration. Alors rassurez-vous, j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc sans plus attendre, c'est parti, on commence. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai rassemblé sur la table tous mes achats et je vais vous détailler tout ça. Alors, on va commencer par cette housse de coussin en tartan écossais aux couleurs très automnales, hein, puisqu'il y a du orange, un petit peu de marron et de gris. C'est vraiment un modèle qualitatif avec un tissu très épais et résistant. Je pense qu'il sera parfait pour ajouter une touche de cosy au canapé. Alors, je l'ai trouvé sur Amazon et comme toujours, je vous mettrai le lien en description si vous avez vous aussi envie de craquer dessus. Ensuite, dans l'optique d'ajouter de la couleur bordeaux et du naturel à ma déco saisonnière, j'ai craqué sur ces trois bouquets de fleurs séchées. Franchement, ils sont super jolis, j'ai super hâte de les installer. J'ai commandé donc cette plante qui s'appelle Statis tatarica, qui a une belle couleur rouge, et j'ai acheté également un bouquet d'eucalyptus séché et stabilisé de couleur violet. Bon, ça c'est assez connu, un grand classique, et je trouve que ça fait toujours son petit effet. Et j'ai aussi acheté un bouquet d'astrans séché de couleur prune. Donc je suis vraiment ravie de la qualité parce que, comme toujours, lorsque je commande chez France Fleurs, les bouquets arrivent vraiment en parfait état, ils sont vraiment de bonne qualité, donc n'hésitez pas à commander dessus vous aussi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi acheté des vases pour y mettre des fleurs, mais clairement je pourrais les utiliser tout le temps, même en dehors de la déco d'automne, car ils sont vraiment très très neutres. Alors celui-ci, je l'ai trouvé sur le site internet de La Redoute. J'aime bien son aspect et sa texture qui rappelle le grès émaillé. Et celui-ci en verre ambré, je l'ai trouvé dans un magasin de déco pour seulement 7 €, donc j'ai pas hésité un instant. Le fait qu'il soit haut, ça me permettra d'apporter du contraste en jouant avec les différentes hauteurs de bouquets, donc je pense que ça rendra super bien. Ensuite, j'ai trouvé ce petit vase ambré sur Vinted. C'était quelqu'un qui vendait ça pour de la décoration d'Halloween. Donc, je pense que je l'utiliserai à ce moment-là. J'ai trouvé ces bougies en cire d'abeille un jour lorsque je me promenais dans un marché d'artisanat local. Et j'ai vraiment craqué dessus car j'adore la forme de ces bougies et leur texture alvéolée. Alors elles s'intégreront parfaitement à ma déco, je pense. Ensuite, je vais vous montrer des achats effectués sur le site d'une boutique en ligne anglaise mais qui livre très facilement en France. Elle s'appelle Next, cette boutique. Et j'ai trouvé, comme vous le voyez à l'écran, cette petite assiette en forme de citrouille qui est vraiment toute mignonne. Alors je pense qu'on peut l'utiliser en cuisine en guise de repose-cuillère ou alors on peut y poser un petit biscuit pour le tea time. Alors sur le site anglais, j'ai également trouvé cette serviette en tissu éponge avec des motifs de citrouille. J'ai prévu de l'utiliser en serviette à main dans notre salle de bain pour y apporter une petite touche automnale. Dernier achat sur le site Next, et c'est aussi mon coup de cœur, c'est cette petite décoration en bois qui représente un ours à lunettes dans un costume de citrouille. Franchement, il est beaucoup trop adorable, j'étais obligée de craquer dessus, et j'ai d'ailleurs su tout de suite où je le poserai pour le mettre en valeur. Je le mettrai dans ma bibliothèque, entouré de livres. Alors j'ai effectué quelques achats chez Primark, et notamment cette couronne de fleurs. Alors elle est très girly, elle est très féminine, et elle a cette petite touche de bordeaux
une couleur qui est en quelque sorte mon fil rouge cette année dans ma déco d'automne. Franchement, je la trouve assez mignonne, assez jolie. Autre achat chez Primark, il s'agit de cette petite citrouille vert d'eau qui est en une petite cocotte en fait dans laquelle on peut y mettre des bonbons, du chocolat, tout sorte de petites choses. Et je la trouve vraiment très mignonne, il y a un joli motif de feuilles, c'est très texturé, c'est vraiment joli, elle est qualitative vraiment, c'est vraiment un bel objet. Donc je suis contente d'avoir craqué dessus et c'était vraiment pas cher, donc voilà, bon achat cette année. J'ai également trouvé chez Primark ce sachet parfumé. Vous savez, c'est pour mettre dans les vêtements. Moi, j'adore tout ce qui sent bon. C'est important chez moi que ça sente bon. Donc du coup, j'ai craqué dessus. Voilà, je ne sais pas si vous utilisez ce genre de produit, mais moi, j'aime beaucoup. Toujours dans le côté qui sent bon, j'ai acheté sur Vinted ces galets de cire parfumés. Donc il faut simplement les faire fondre dans un brûle-parfum. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une senteur vraiment très gourmande puisque c'est crêpe aux poires et noisettes, très réconfortant. Les poires étant pour moi l'un de mes fruits préférés pendant cette saison, vraiment j'adore. Alors, achat que je regrette un peu, il s'agit de cette couronne trouvée sur Amazon. Comme vous pouvez le voir, elle a un petit côté très plastique, très cheap qui ne me convient pas. Malgré tout, j'ai décidé de ne pas la retourner. Je vais la garder, je vais me la mettre sur ma porte d'entrée. Et je la vendrai sûrement plus tard dans la saison, mais bon, voilà, j'ai décidé de la garder malgré tout, même si c'est vraiment pas un coup de cœur. Alors, autre petite chose que je voulais vous montrer, il s'agit de ce petit champignon en bois qui fait office de veilleuse. Il m'a été offert par l'une de mes amies. Autre petit cadeau qui m'a été offert, c'est cette bougie qui sent comme dans une librairie. Alors vous le savez, j'adore la lecture, c'est probablement d'ailleurs l'un de mes passe-temps favoris. Et pour moi, la saison automnale, c'est celle que j'associe le plus dans mon esprit aux soirées à bouquiner dans mon canapé, entouré d'une bougie parfumée et d'un thé fumant. Alors mes amis m'ont offert aussi ces biscuits en forme de champignons. Alors quand ils voient des champignons dans un magasin, visiblement, ils pensent à moi. Et j'ai décidé de les mettre dans la citrouille en céramique pour piocher dedans au moment de boire une tasse de boisson chaude. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma vidéo de décoration d'automne, celle où je vais décorer la maison. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. À très vite. Ciao.